Bienvenue dans le chat. Eh ben, on est en live. Génial. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce petit live bouffe express. On vide le congélo. Eh oui, ce soir, on va pas s'emmerder. Oh, pardon. Ce soir, on va pas s'en faire, on va pas se casser la tête. Et on va faire un truc simple et rapide. Donc, je suis déjà allé préparer tout ce qu'il fallait. Salut Alex, salut Guillaume, pardon. J'ai fait monter personne, j'aurai pas le temps de vous partager le lien, désolé, parce que là, il faut qu'on avance, il est déjà 19h06, madame à l'écrou, moi aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre un petit fond musical. On va vous mettre du Vangelis, ouais. Voilà, pas trop fort, parce que j'aime bien, moi je m'inquiète jamais moi, alors on y va, je vous embarque, in the kitchen, alors il faut que je lâche le câble, et voilà, je suis venu te faire un petit coucou, mais ça c'est vachement sympa, alors coucou à toi aussi, et coucou à ta petite famille, et je les embrasse, bon on y va. Donc ce soir, évidemment, on est vendredi. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai les pieds pris dans la couverture. Ah tiens, ça c'est nouveau, ça. Ouna Spino. Et voilà. Bon, les chats, on dégage. Je tourne ma cam. Et c'est parti, je vous montre, je vous fais le tour du propriétaire. C'est où déjà? C'est là. Voilà. On y est. Alors, je coupe pas le son, non, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Non, je touche pas à la petite croix. Attendez, je prends un cendrier. Voilà, je me suis muni d'un petit cendrier. Nous sommes déjà quatre. C'est très bien. Salut Helvète. Bonsoir la Suisse. Donc ce soir, petite recette rapide. Je vide le congélo. Donc tout ce que je vais vous préparer ici, ça sort du congélateur pour une partie. Pour cette partie-là. Voilà. Même la julienne. Vous pouvez préparer votre julienne à l'avance. Et puis vous divisez ça dans les sachets plastiques pour le congélo, ça fonctionne très bien. Une quinzaine de petites moules avec 5 grandes moules ou 6 grands moules par personne. Il y a des scampi que je dois encore faire ici. Ça c'est des pommes de terre qu'on a mangées hier soir avec du poisson. Et on avait aussi des brocolis avec une petite sauce hollandaise. Mais c'est pas ça qu'on va faire ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? D'un petit peu de crème évidemment. De matière grasse. Basilic, origan, un petit cube spécial poisson que je vais couper en deux. Ah oui, les fameuses moules. On va parfumer le tout avec du chardonnay, sel marin, le mélange de poivre que vous connaissez. Et puis, à la vôtre. Bonne vôtre, parce que je suis toujours à l'apéro, moi. Donc voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Et on va d'abord nettoyer les scampis. Et j'ai oublié de faire un truc. Et avant que j'oublie, je vais vite le faire. Dès que j'aurai déploté celui-ci. Voilà. J'aurais pas dû dire scampi trop fort, sinon Rookie va se pointer. C'est prendre mon petit pot de safran. Voilà. Et là, j'ai la pince qui va se barrer. Ça, je le savais. Attends, il faut que je vous raccroche. Hein. Désolé de vous donner le mal de mer. Voilà. Hop. Bouge plus. J'avais oublié le safran. Parce qu'on va évidemment, on va safraner le tout. Depuis que j'ai appris par une certaine Magali que le safran était aphrodisiaque, alors je vous raconte pas, j'en mets dans tous les plats. Non, je déconne, évidemment. C'était juste pour lui faire un petit clin d'œil. Donc, voilà. Eh bien,
Ces derniers temps, j'en aurais passé du temps en live. Puisque cette nuit, je me suis couché à 4h30. Ouais, 4h30 du mat. Après le live un peu surréaliste d'hier soir, puis la lecture du Petit Prince sur une autre chaîne, et ça m'a emmené me coucher, il était passé 4h30, et voilà. Bon, heureusement, j'ai pu dormir presque, ouais, on va dire 5-6 heures. Et voilà, je suis requinqué pour ce soir. Et donc, je vous fais ça vite fait. Donc, vous allez voir, c'est très fastoche, et ce soir, chose inédite, on va manger dans les casseroles. Les casseroles qui sont là, je vais les montrer après. Donc on fait vite ça. Parce que ça, en même temps, je fais un peu de place dans le congélo. Et vous avez la musique des chariots de feu, je ne sais pas si vous l'entendez. Moi je l'entends en tout cas. J'aime bien ce groupe-là, Vangelis. J'écoutais ça quand je partais en vacances en Italie. Et j'aimais bien partir la nuit quand il pleuvait. Et je foutais ça à fond la caisse. Et la voiture suivait le rythme de la musique, évidemment. Elle allait à fond la caisse. Mais c'était une époque. C'était une époque, pas si éloignée que ça. On va dire que c'était encore pendant le siècle dernier. Eh oui. Donc voilà, ça c'est fait. Et monsieur Rookie, il a entendu le mot de ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans... Hop, j'ai pas vu le chat, désolé. Alors, on va virer ça, poubelle. Monsieur Rookie, tu auras droit à un petit morceau, mais il faudra pas me casser les bonbons. Verstanden? Voilà, alors je vais déjà couper des petits morceaux pour l'assistant emmerdant culinaire. Un poil roux que vous connaissez. Et ici, on va partager. Je vais mettre 3 scampis de chaque côté parce qu'en fait, j'en ai pas plus. Voilà. Là, on vide. 2. Qu'est-ce que je disais déjà? Je ne sais plus. Ah oui, j'avais pas eu le temps de lire le chat. Mais c'est pas grave. Voilà, monsieur Rookie. Tu attends 2 secondes et tu auras droit à un petit bout de scampi. Sinon, je te coupe les moustaches. Voilà, comme ça. Toi, regarde tous ces petits morceaux-là, c'est pour toi. Alors, attends 2 secondes, je vais te les refiler. Et après, tu dégages. Voilà. Ça, c'est pour l'artiste. Allez, tiens, mon petit chou. Tiens, je te mets ça là, hop là, bon appétit, et maintenant tu me lâches. Bon, ça c'est une chose. Alors, comme disait le chef Michel, petit couteau blanc terminé, et merci pour son potage à la soissonnaise. Et il a fait ça même sans se casser le vase. Ça, terminé. Bon, eh bien maintenant, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Vous allez voir que c'est rapide. Ah oui, je ne vais pas vous garder longtemps ce soir. Hein. Alors, bonsoir Magali. Bonsoir Dominique. Et miaou. Merde, ma clope. Ah putain, je vais me chercher une clope, je reviens. Elle a fumé toute seule. Ah, si tu ne fais pas, ben... Ben oui, ben... Où est-ce qu'il y a un briquet ici? Un briquet. Donc, on va dégager. Je vais travailler en quinconce, enfin en diagonale. Pourquoi? Parce que j'ai besoin des petites plaques. Alors, on va déjà virer des endroits. Donc, vous avez vu, ça, c'est des restants d'hier soir. Eh bien, on ne va pas jeter ça. On ne jette jamais rien ici. Ça, ce sont les couvercles de mes casseroles. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je mets ça de côté. Et ah oui, c'est vrai, il faut quand même que je reprenne la planche. Parce que je vais devoir aller mettre de la matière grasse dans les 2 casseroles. Je vais mettre...
Je vais mettre... ouais, pas tout. Voilà, je vais mettre deux petits blocs comme ça. Voilà, je mets mon doigt à côté, comme ça vous avez une idée de la grandeur. Voilà. Une. Ça fait une. Et ça fait deux. Et cette fois-ci, petit couteau blanc, vraiment... Ah non, presque terminé. Voilà. Je réserve la planche et le couteau parce que de toute façon, je crois que j'en ai encore besoin. Allez, hop. Il faudrait que je prenne un peu plus de recul. Alors, on va essayer de faire ça. Et que je vous change un petit peu l'angle de vue, si c'est possible. Sans que le téléphone ni la pince ne lâche ce qui vient d'arriver. Ah oui, ça, ce sera plus stable. Alors, on y va. Je recule. Désolé de vous donner un peu le mal de mer, parce que ça se coupe beaucoup. Je sais, j'en suis désolé. Voilà. On n'est pas loin d'être nickel, mais bon, il y a mieux. Hein. Bon, je fais un peu de place. J'ai mes deux casseroles avec de la matière grasse. Et là, direct... Vous voyez rien du tout comme ça. Vous voyez pas grand chose. Attendez. Comment je peux faire? À moins que vous accrochez ailleurs. Je vais essayer de vous accrocher ailleurs. On va essayer autre chose. Je vous promets d'essayer de vous donner un bel angle de vue. Bon. Essayons ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Ça tient pas. Pourquoi? Ça veut pas tenir. Ah, je suis emmerdé là. Bon, alors, on change de système. Excusez-moi, hein, mais c'est... On fait comme on peut. On va y arriver, hein. C'est juste des petits ajustements. Voilà, là, ça devrait être un poil mieux. Ok, bon. Alors, Bruno Nono, salut Nonu Nana. Nono, je ne me rappelle plus. Nonu Nono. Bon, maintenant, on allume les tacs électriques, que je ne me gourre pas. C'est celle-là, donc c'est celle-ci, à fond. Et l'autre derrière... C'est celle-là, à fond. Voilà, donc là, j'ai mon beurre qui va commencer à fondre, et j'irai directement jeter de la julienne de légumes dessus. Et puis, je vais couvrir. Ce que je peux faire en attendant, c'est d'aller découper un petit cube spécial poisson. Je vais le couper en deux. Si ça veut sortir du truc, ça va ? Donc voilà le petit cube en question. Et on va le couper en deux, tout simplement. Bing. Ouais, tu veux du vin blanc? Il y en a ici. Vin blanc. Ou tu veux encore un apéro? Non, je crois. Ouais, t'as raison. Voilà, je coupe mon petit cube en deux. Bon, comme je vous ai dit qu'on était à l'apéro, c'est pas des apéricubes, hein. C'est du spécial poisson, ça, hein, comme c'était marqué sous la boîte. C'est flou ou alors c'est moi qui y a un problème. Ça peut être flou. Bon, vous voyez, ça fond. Bon, je laisse pas brunir mon beurre. Je vais directement aller mettre la julienne dessus. Voilà. Et on peut y aller. On va essayer d'être équitable. Allez, on met tout. Qu'est-ce que ça fout dans l'évier, ça? Allez. Ça va dans le frigo.
une touillette en bois. Une petite touillette en bois. Voilà, comme ça, on fait un peu suer les légumes. On se fait un peu suer les légumes. Donc la julienne de légumes, c'est un tout petit peu d'oignons, carottes, céleri, poireaux. Voilà. Ça, c'est bon. Là, ça commence à être bien. On dirait que ce taxi va plus vite que l'autre, je ne sais pas pourquoi. Bon, ok. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon demi-cube dedans. Je mélange et je vais directement mouiller avec du vin blanc. Voilà. Un petit peu plus ici. Ok. Et puis, je remélange le tout. Et ce que je fais, c'est que je vais couvrir pour pas que l'humidité s'évapore. Faut que je garde l'eau. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux déjà faire? Je peux prendre deux capsules de safran que je vais déjà aller ouvrir, parce qu'en général, j'ai toujours des problèmes pour ouvrir ces trucs. Ah ben voilà, ça vient. Bien. Et de une, ouvrons la seconde. Ah, je déteste ouvrir ces machins-là. Par contre, j'adore manger du safran. Ok. Mes capsules sont ouvertes. Bon. Ici, voyons voir. Ça bout pas. Faut que ça vienne à ébullition. Ici, l'avantage de la recette, c'est que les pommes de terre sont déjà cuites. Les brocolis que je vais couper en petits morceaux, que j'ai rajouté à la fin, sont cuits également. Donc, dès que ça commence à frétiller, on ira jeter le tout, sauf l'escampi. L'escampi, on la mettra en dernier lieu. Et puis, on ira parfumer avec origan, basilic, un petit coup de sel et poivre. Et voilà, alors on va voir un peu ce qu'il nous va raconter. Alors, ah bonsoir Raymond. Bonsoir Fredo. T'as vu Fredo, tu prends ton téléphone, tu cuisines et tu filmes. Ah, salut Vorace. Alors. Et puis donc Bruno Lolo. Comment on peut faire pour se contacter un jour, j'aimerais. Oui, bah tu sais quoi, j'irai mettre mon adresse email et même mon Facebook sous dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, tu pourras passer par là pour me contacter, pour prendre contact. Bon, là, ça a l'air de bouillir. Ah la vache, j'ai oublié de prendre un torchon. Ok, alors on réduit, on met sur 3. Voilà, on met sur 3. Et maintenant, j'enlève. Ah oui, j'ai pas mis la hotte. Voilà. Je mets sur 3. Vous voyez, ça frétille. Ce que je fais, c'est que je garde. J'enlève les scampis et je verse le reste, donc c'est-à-dire les moules. Ça, c'est terminé. Idem de l'autre côté. Voilà. Et je recouvre. Je retouille un petit coup pour mélanger. Voilà. Et
Je vais déjà aller mettre un petit coup de tour de sel, pas trop. Voilà, trois petits tours. Et puis ça en va. Avec le poivre, on sera un peu plus généreux. On met le double de poivre. Voilà, ça c'est fait. Et puis alors maintenant, origan et basilic. Voilà pour l'origan. Et maintenant le basilic. Et hop. Voilà, ça c'est terminé. Et on retouille un petit coup. Bon, je vois que j'ai pas assez de liquide dans, ici. Je rajuste à niveau, à hauteur avec du vin blanc. Voilà. Ça c'est fait et on referme. J'avais mis sur 3, je mets sur 4. Je finis ma clope que j'ai de nouveau oublié de fumer. Oui, ça c'est une recette qui va extrêmement vite. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne après-midi. Moi, je me suis marré à aller réécouter le live de hier soir. On avait passé vraiment un bon moment. Ah, le chat a disparu. Non, on va attendre que ça reprenne. Pendant ce temps-là, je peux déjà ouvrir mon petit ballotin de crème fraîche. Donc c'est de la crème à 6%. Oups. C'est de la crème à 6% celle-ci. Donc pas très très gras. Pouf. Voilà qui est fait. Alors ça à la plonge. Alors, les derniers coms, si je peux y arriver. Alors, Fred, le dernier samouraï. Alors, je ne vois pas ce qui est écrit. Eh non, reviens. Punaise. Avec mes gros doigts, j'arrive pas. Oui, chat en direct, merci. Alors, Bubule, le calorique. Non. Oh, mais attends, eh oh. Et il y a marqué 6% là. 6%. Tu ne vois peut-être pas bien, mais c'est écrit 6%. Voilà. Bon, ok. On va remettre à fond la caisse. On remet sur 6. C'est parti, mon kiki. Et pendant ça, ce que je voudrais faire, c'est que je vais aller couper les petits morceaux. Des petits morceaux de brocoli, voilà, que j'aurais tapé dans la casserole. C'est déjà cuit, hein. Ça, c'est les restants d'hier soir. Ça, on jette rien dans la maison. Donc ce soir, c'est un menu presque vide frigo, vide congélo. Et moi j'aime bien quand on fait un peu trop de pommes de terre, après ça je les coupe en petits morceaux, je les fais rissoler dans du beurre, puis j'y ajoute des champignons de Paris si j'en ai, puis je fais une belle omelette, du persil, allez hop, et le tout à la poêle, je vous raconte pas comme c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Ah bon, qui ça commence ici
à repartir super bien. Donc le temps que je mette la table, eh bien on pourra rajouter le reste. Là, ça mousse plus fort. Plus fort que là. C'est bizarre. Bon. Ma table n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée d'être dressée. Alors, ce soir, on n'a pas besoin de couteau. Ah si, si on veut se bourrer, n'importe quoi. Si on veut se beurrer un petit bout de baguette avec ça, j'ai besoin de mettre des couteaux. Je mets des fourchettes à tout hasard, sachant très bien qu'on va peut-être pas les utiliser. Voilà, ça c'est fait. Du beurre. Alors, voilà, on va y arriver. Ça dit quoi ici? Ça dit OK. Alors, j'y mets la moitié des pommes de terre. J'y mets la moitié des pommes de terre. Voilà. Oui, c'est des pommes de terre. Ce sont des grenailles. Vous pouvez mettre la peau avec. Hein. C'est pas un souci. Hein. Voilà. Ici, ça c'est fait. J'y mets la moitié des brocolis. Voilà, comme ça. On fait le lien de l'autre côté. La vache, c'est chaud. Voilà, putain, c'est pourquoi ça colle. Voilà. La moitié des brocolis de l'autre côté. Ouf. Alors, j'y dépose l'escampini. 1, 2, 3. 3. Maintenant, je crème, donc on va couper ça en deux, un demi pot de chaque côté, un petit peu ici, voilà, le safran, un petit pot de safran de chaque côté, et là, et de deux. Je remets un petit coup de toillette léger. Voilà.
Ah, le safran, il est déjà en train de tout parfumer, là, c'est un bonheur. Superbe. Et voilà, dans une minute, maximum deux, dans deux minutes, eh bien, on pourra passer à table. Ça, poubelle. Hein, hop là. Alors, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'en fait, vous allez manger dans les casseroles que vous avez utilisées pour cuisiner. Pas folle, la guêpe. Avec un minimum de vaisselle, vous avez vu ça? Alors, juste besoin d'un couteau pour aller couper le pain, on va prendre celui-là, voilà. Et ici, mettons un petit tour dedans. Là, je remets à fond, pour la minute qui reste, on va mettre à fond. Voilà, c'est OK. Alors, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans, comme d'hab. Ah, monsieur Rookie. Ah, mais c'est monsieur Tigri. Ah oui, vous le connaissez, celui-là. Hein, monsieur Tigri. Ça va, mon petit chou? Ah, salut, Hugo. Et bienvenue. Donc tout ce que j'ai plus besoin, évidemment, on va déjà ranger. Ça fera moins de plat, ça fera moins de bordel à ranger après le dîner. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il m'en reste 5-6, c'est bon. Et comme vous avez vu, je goûte rien, on goûtera ça à table, comme d'habitude. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore essuyé les verres. Oui, mon petit chou. Je sais que je t'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit lapin? Ça sent bon? Oui, je sais que ça sent bon. Voilà, ça c'est OK. Bon, je vide l'apéro et puis on passe à table. On éteint les tacs. Et maintenant, je vous montre un truc. Je vous montre un truc. Alors, il faut qu'on aille par là. Voilà. Vous avez vos casseroles, j'ai mis des dessous de plat à table. Voilà, on va manger direct dans la casserole. Quand vous faites des moules marinières ou croquettes, ceci c'est pour récupérer les coquilles. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quand vos moules sont prêtes, vous pouvez les dépioter toutes et après ça, vous allez verser le tout là-dedans. Les coquilles, évidemment, elles sont parties ailleurs et vous allez manger là-dedans. Donc, comme madame est encore là, je vous garde ça au chaud. J'éteins la hausse qui ne me sert plus. Et on va les mettre cette assiette-là à table aussi. Voilà.
Je vois qu'on prend le parfum qui se dégage. Voilà. Ah, ben ceci termine. Je reviens vers vous. Pouf. Je tourne ça dans l'autre sens. Ben voilà, ceci termine ce petit live rapide de vidage de congélo et du vidage de frigo. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon vendredi soir, un bon week-end. Et puis nous, on va se goinfrer ça, puis on vous racontera. Bisous. Et merci d'avoir été là.